expertise, and I would like to thank you for it. Comment inciter à reprendre le chemin, le seul chemin possible, celui de la table des négociations? Alors nous avons proposé trois choses. D'abord, un rappel du cadre de négociation reconnu par la communauté internationale, alors que certains s'interrogent, il est bon de rappeler la base. La base, ce sont les frontières de 1967 et ce sont les grandes résolutions des Nations Unies. Il y a urgence à éviter tout acte unilatéral qui enflammerait encore davantage la situation sur le terrain à Jérusalem et ailleurs. La question si sensible de Jérusalem ne peut être abordée que dans le cadre d'une négociation entre les parties. Et si à la fin, il y a un accord général de paix et qui inclut une réponse sur la question de Jérusalem, qui soit une réponse équitable et juste, alors la question de l'emplacement des ambassades se posera dans d'autres termes pour les deux États. Mais le faire comme ça, c'est pour ça que je dis que c'est quand même une provocation.